Bonjour à toutes et à tous, c'est parti. On va passer notre permis sur... comment ça s'appelle ? Driving School Simulator, simulateur de école de conduite, visiblement pas française, puisque ça n'a pas l'air d'être le code de la route français, mais bien un code inventé par des gens qui n'avaient pas le permis et inspiré bien par un code de la route dans un monde dans lequel on ne conduirait pas à droite en tout cas. Allez, on va passer notre examen ! Ça va être énorme ! Ça va nous rapporter 10 000 ! 10 000 d'XP ! Rendez-vous compte ! Il s'agit d'un examen, vous pouvez faire seulement 3 erreurs. Ah ! C'est facile alors. Ah putain, j'ai déjà fait une erreur ! Le port de la ceinture. Non mais t'imagines, l'erreur impossible. Le mec est au permis, il a pas sa ceinture. On y va ? Allez, c'est parti ! là, vous avez pas la ceinture. Ouais, c'est bon. Allez, go ! Alors attention, 3 erreurs. Et j'imagine que ça va durer une année. Go. 70. Ah non, attendez, 70 à partir du panneau. Go. Fonce, Liman. J'ai l'impression que j'ai même pas accéléré, quoi. Bon, là, on est obligé de doubler par là. Parce que les gens sont nuls. Vous avez vu, elle avait les bras tendus comme ça, de loin. En mode, oh, j'ai les bras tendus, aidez-moi, au secours, à l'aide. Alors, bien, 60 km/h. On continue, hein. Apparemment, doubler par la droite n'est pas une erreur. Ah. Oh, 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 c'est pas une erreur. C'est bon. 50. Je suis trop chaud pour cet examen, je suis hyper motivé, je me suis entraîné toute l'année. Attention, il y a un piéton qui a les bras écartés là-bas, ça y est. C'est bon. Alors, clignotant à droite. Il y a un mec qui a mis... Ils ont même mis des Français dans le jeu. Les gens restent à gauche sans raison. N'importe quoi. C'est bien français, ça, de croire qu'il y a que les Français qui font des conneries, qui sont cons, qui font des erreurs et tout. Hein ? Orange sanguine, attention. On ne passe pas à l'orange. Voilà, c'est parti. À droite, à gauche, un doute, roulé au milieu. Kappa. ZRT Kappa, évidemment. On n'utilise pas le Kappa ici. On utilise le ZRT Kappa. Seulement si on est abonné, bien sûr. Parce que si on n'est pas abonné, on utilise le Kappa, évidemment. Je viens d'en mettre un rien que pour toi. Sans slip. Ça, c'est vraiment sympa. L'intonation la plus weird de tous les temps. Je viens de mettre un slip pour toi. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Oh, ça, c'est trop gentil. Ouais, il y avait un truc à droite qui s'appelait le café de porc. Je crois, hein. Très belle plaque d'immatriculation. Je sais. Mais d'ailleurs, c'est quoi le D ? Il y a écrit D sur le pays. C'est pas Danemark ? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est du tout. Bon, pour l'instant, ça va. Hop, je mets le clignot pour doubler. Là, une voiture qui est bien placée pour une fois, on est content. Je suis à 50, j'ai pas le droit d'aller à 51. Sinon, on est mort. Alors que normalement, le code permet, eh bien... une erreur de 5%. Oh putain. La lenteur D égale Allemagne. Deutschland. Ah merde, c'est l'Allemagne. Ah donc on est en Allemagne. C'est le code allemand. Donc en Allemagne on peut rouler à gauche. Enfin je veux dire, on peut doubler par la droite. C'est génial. C'est donc un jeu allemand. Donc vous n'avez plus le droit de dire ouais, ils ont mis des Français. Blablabla. Voilà. C'est un jeu allemand. Exactement. Alors par contre, ça m'étonnerait que sur les plaques d'immatriculation allemande, il y ait des trémas sur les U. Vous avez vu ? Des trémas sur les U. J'hallucine. J'hallucine. Ya ya, ich will das Brot. Je veux du pain. C'est tout pour moi aujourd'hui en allemand. Ça ira. Youhou ! Et donc il y a des poubelles de merde en Allemagne, hein, les immeubles et tout. En tout cas, ça donne vachement envie de vivre en Allemagne. Ça c'est... Ça c'est sûr, une belle publicité pour le pays. J'espère que le ministère de la culture allemand a vu ce jeu qui vraiment vante les mérites eh bien de la Bavière. Absolument génial. Et là j'ai pas fait d'erreur alors j'étais à 53 donc ça doit tolérer le 5%. Oh non mais là ça va faire chier. Oh ! Évidemment comme n'importe quel usager de la route, je dois avoir la maîtrise totale de mon véhicule et de sa vitesse. Ah bah oui.
Donc toi, tu l'as pas écrasé. Tu peux passer, il est passé. Oh putain, oh putain. On doit pas faire d'erreur, on est en examen. D'accord ? Allez, on y va. Putain. C'est parti. Danemark, c'est DK. Non, DK, c'est Chevalier de la Mort. Justement, c'est les Allemands, donc ils ont mis les Français à gauche. Ah ! Ouais, non, 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 non. Je pense pas. Les premières lettres des plaques allemandes, c'est celle de la ville, donc c'est possible. Ah ! Putain, merde, fais chier. Je fais plein d'erreurs. Parce que j'y connais rien du tout au système de conduite allemand. Zut, encore une erreur ratée. Non, pas une erreur ratée, je veux dire encore une erreur, virgule, ratée. En Allemagne, les signalisations au sol clignotent vraiment. Hein? Ah, comme là, tu veux dire? Ouais, sûrement. J'y crois à mort. Et là, elle va déboîter. J'aurais bien vu, genre, un déboîtage. Là, on va tourner à gauche. Qu'est-ce que ça donne envie d'aller en Allemagne? Vraiment, j'ai hâte de visiter ce pays de fond en comble. Oh, je l'ai vu aller passer. Tout à l'heure, ils sont passés au rouge, hein, c'était incroyable. C'était quand même incroyable. Allons-y, hein. Mais il fait y avoir accident là-bas, vous avez vu? C'est incroyable. Mais pourquoi le feu est rouge? C'est un carrefour à l'indienne. L'indonésienne. Oh putain, mais t'es pas censé pouvoir passer, toi. Dans l'indonésienne ou à l'indienne? Dans l'indonésienne. C'est ça. Carrefour à l'indonésienne. Alors c'est quoi les trucs, là? Pizza, shop, sandwich. Sandwich. Sandwich, pizza shop sandwich, sandwich, stomach accurate, aucune idée. Bon, en tout cas, en Allemagne, il y a beaucoup de sandwich et de pizza. Mais à part ça, niveau magasin, ça a l'air assez pauvre. Donc, voilà. J'imagine que c'est exactement comme ça. Hein. Toute l'Allemagne, hein, toutes les villes où que vous alliez, honnêtement, je pense que c'est tout le temps comme ça. Évidemment. Oh putain, je suis arrivé! Faut se garer en quoi? 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 En marche arrière. Accident. Oh putain. Oh putain, j'ai eu deux accidents. Oh. Ça veut dire que si je retouche en me garant, j'ai perdu. Oh non, s'il te plaît. Là, les viewers sont en mode, j'espère qu'il va rater. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et boum, le permis, voilà. 11 000 points d'expérience, alors. Et si vous vous amusez comme un petit fou, vous pouvez faire de la conduite libre. Alors là, vraiment, c'est génial. À propos, retrouvez-nous sur Twitter. Ah tiens, si on allait leur dire deux mots. Ils ont 2600 followers. Mobile Web and Desktop Development. Ah, ils ont même pas mis qu'ils développaient des jeux vidéo, genre tellement ils ont eu honte. Ils ont mis Mobile Web and Desktop Development. Ouais, vous avez pas fait un jeu aussi sur la simulation de voiture? Non, non, je crois pas. Mais si, je l'ai vu, j'y ai joué là. Truc en Allemagne et tout. Non, non, c'est pas vrai, vous devez vous tromper. J'ai débloqué 40 000 XP pour le bus. Oh putain, c'est chiant. Ah ouais, 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 ouais. Alors, il faut conduire encore un petit peu. On a 29 000 d'XP. Prenons les voitures comme ça. Conduite urbaine de nuit. On va mettre conduite extra-urbaine de nuit. Ça changera du tout au tout, d'accord? Allons-y. C'est parti, on y va. J'ai hâte. J'ai méga hâte de voir ce que nous réserve le jeu. Allumer les phares. Ok, doucement, doucement. Oui, je sais, j'ai pas mis la ceinture. J'ai pas allumé les phares. J'ai pas mis les phares, j'ai pas allumé ma ceinture. On y va. Allons-y. Alors, les phares L, ceinture B. Et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Les grands phares. Alors là, utilisation de clignotant. Ah, je suis content. Content d'être récompensé. Ce boulot, c'est la chance de ma vie, j'y crois à mort. C'est quoi ce jeu chelou? Stravinska, je sais pas. Ce boulot, c'est la chance de ma vie, j'y crois à mort. 90. Conduite extra-urbaine. Attention, j'entre sur la voie rapide. Stop. Faut s'arrêter. Au stop, on s'arrête. Je suis arrêté. Alors là, par contre, il va falloir go. Maintenant. Alors là, la gestion de la caméra, plus le clignotant, plus accéléré. Je vous raconte pas le multitasking que je viens de faire. J'ai l'impression d'être dans une game de StarCraft 2. On peut mettre les grands phares? Oh non, vas-y, j'ai... Ah, le jeu s'en fout, ok. Le jeu s'en fout. Donc on peut laisser les phares, les grands phares allumés, le jeu s'en fout complètement. Ça fait plaisir. Ah, la gestion de l'éclairage... Ah! La gestion de l'éclairage, là, vraiment, ça fait peur. Hein. Conduite extra-urbaine, mais c'est faux. On n'est pas du tout en extra-urbain, là. On est limité à 50, on est en pleine zone pavillonnaire, enfin résidentielle. Excellent. C'est absolument excellent ce qui se passe.
En Allemagne, les feux passent à l'orange juste avant le vert, ce n'est pas le cas ici. Alors si c'était le cas tout à l'heure, dans les premières missions, mais après non, c'est vrai. Tu as raison, tu as raison. En plus, c'est le premier truc que j'ai dit. En fait, dans le tuto, c'était le cas, mais après non. C'est incroyable. Le klaxon, le klaxon. Alors, je n'ai pas trouvé la touche du klaxon. En tout cas, on remarque que les lampadaires sont hyper glauques. T'as un lampadaire qui n'éclaire que en bas, en bas et genre en laser. C'est pas un lampadaire, c'est un lampe laser. Genre, t'es en mode... un lampe laser, ouais, c'est vachement drôle. Un jeu de mots laser, lampadaire, c'est génial. C'est énorme. L'inspecteur à côté de toi doit se demander c'est qui ce bouffon. Bah ça, c'est vraiment sympa, en tout cas. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans le monde de Slender, un peu. Pas de voiture, on y va. Fonce! Fonce encore! J'ai l'impression qu'on gagne beaucoup plus d'XP dans ces missions. Alors là, si on fait un stop glisser, le jeu s'en fout, c'est ça? Ah ouais, il s'en fout complètement. Ah ouais. Tant que vous vous débrouillez, c'est bon, quoi. 90 et il roule à 27. Formidable. Allez! On aide! En tout cas, le meilleur jeu de simulation de conduite, hein. Vraiment. Oh, j'ai pas touché, oh. J'ai pas touché, oh. Bon, j'ai peut-être un peu touché. Mais ça va, c'est quoi? C'est un rétro, c'est bon, c'est pas... Je teste un peu les limites du jeu. Non, mais c'est un truc de permis. Et là, pour l'instant, zéro erreur. Oh, mais c'est à double sens, hein. C'est normal. Alors là, j'ai pas trop de visibilité. Ah, pas trop de visibilité, c'est bon. Oh, ça freine. Ça freine, ça freine. Du calme, du calme. Non, mais tout se passe extrêmement bien pour l'instant. Voilà, gestion des éclairages dans le jeu. Putain, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Là, on est sur l'Unreal Engine 4, je crois, la bêta. Putain, l'éclairage du lac. C'est un lac de... un lac enchanté. Un lac enchanté, évidemment. L'eau mieux que dans Witcher 3. Ouais, ouais, ouais. Regardez les paysages. Les arbres qui s'éclairent au gré des phares. Waouh. Au gré des phares, ça ne veut rien dire. Incroyable. Oh putain. Oh putain, accident. Ah, c'est accident, ça. Ouais. Forcément. Accident. Alors bon. Rouler sur l'autre voie en sens inverse. Limite de vitesse. Oh mais putain, vas-y là. Limite de vitesse, j'avais oublié. Vraiment un jeu sous polaire. Mais l'Allemagne, c'est un pays magique, regardez ça. Bon, par contre, c'est pas un pays très éclairé. C'est-à-dire que là, c'est un pays sur lequel, même si vous avez de la lumière, bah, vous pourrez pas trop vous balader dedans, quoi. Enfin, vous balader dans le noir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention. Faites très attention à ça. Ça risque de vous porter préjudice. Oh putain, l'eau encore, le lac enchanté, encore une fois. Encore un lac enchanté. Il y en a beaucoup en Allemagne, hein, il faut le savoir. C'est quelque chose qui est assez répandu. Et voilà. Et bah, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir des routes qui peuvent aller à plus de 50, hein. C'est vraiment, ça fait plaisir. Ah, pas d'accident. Elle a freiné avant. Elle a été manœuvre. Bon, ça, ça fait pas d'accident par contre. Là, tourner comme ça, ça, le jeu s'en fout complet. Il y a pas de souci. J'ai 890 d'XP. Mais là, du coup, on ne gagne jamais d'XP car les routes sont bien trop longues. Un jeu dans la joie et la bonne humeur. Donc écoutez, voilà ce que je pense. On va repartir en conduite urbaine car là, au moins, on gagnait de l'XP. J'ai cru au début qu'on allait gagner de l'XP, mais en fait... mais c'est de la merde! C'est un jeu de merde! On se fait trop chier, putain! Au secours! Putain! On voit rien à cause de l'arbre! Comme si dans ma vie je jouais en TPS! Putain, mais... oh! J'accélère! C'est horrible! Ah! Putain, j'ai failli me faire un accident encore! Oh, heureusement, j'ai freiné. Au bon moment. Y'a quoi là? Manque de visibilité. Oh putain, c'est insupportable! Qu'est-ce qu'il faut faire? 70! Oh putain, mais c'est qu'un putain de jeu de limite de vitesse! C'est tellement chiant! C'est tellement chiant! C'est tellement chiant! De conduire. Waouh! Une rivière enchantée carrément! Pardon. Excusez-moi. Non, je me suis dit comme ça un petit thème de cinéma. En passant sur le pont, ce serait pas mal. Oh putain. À droite. Oui, enfin, changement d'itinéraire. Merci beaucoup les développeurs. Vous nous faites bien plaisir.
90. Putain, mais les arbres, l'éclairage des arbres, mais putain. Mais c'est... Waouh! Oh my god! Je ne vois rien du tout en plus. Vous ne voyez rien vous non plus dans le jeu? Ouais, non, on voit rien. Là, il faut prêter tout de suite, sinon amende direct. Ça va, vous regardez bien autour de vous? Ça va! Ça va! Ouais! Ça va! Ça va! Et là, je roule là, donc c'est accident, c'est ça? Ça va! Ça va! Pas trop chiant! Pas trop chiant, évidemment. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça a l'air normal. Ça va bien. Pas de priorité à droite pour l'Allemagne, hein. Limite de vitesse. Ah putain, 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 putain. Like I give a fuck. Insupportable ce jeu. Faker toujours dans la place. Bis de Lyon, continue comme ça, tes lives sont géniaux. Mais comment vous pouvez dire ça sur ce jeu de merde? Dreams, Psychose, ça va pas bien. Mais enfin, mais... Oh mon dieu, mais quelle horreur absolue! Les arbres sont des diamants de Noël. Mais oui! Tout est mauvais! Tout est mauvais! Il y a tout à refaire dans ce jeu! Ah! Oh, fais chier! Ça m'emmerde! Ça m'emmerde. Oh, qu'est-ce que je fais? Je roule à contresens. J'ai perdu toute mon XP. Oh là là! Oh là là! Quand est-ce que ça s'arrête? Mais putain, c'est interminable! Limite de vitesse 50, mais ta sœur! Ah là-bas! Je vois la fin! Il y a un feu rouge, ne pas se laisser perturber. Feu rouge! Ça s'est coloré en vert quand je l'ai éclairé, mais putain, je débile! Arrête-toi, imbécile, c'est un feu rouge! Vite! Laissez-moi arriver! Laissez-moi arriver! Garez-vous en marche arrière! De toute façon, je vais me garer en marche arrière. De toute façon, on va jamais me dire garez-vous par l'avant. Oh putain, putain, putain! Je crois quand même qu'il va... Ah non, on est à une station-service, donc faut se garer par l'avant. Putain, mais la caméra, la gestion de la caméra, tout est mauvais! Tout est mauvais! Suivant. Oh putain, ça m'emmerde. Menu principal, on a combien d'XP? Oh, j'ai 33 000 d'XP, putain. Oh. Conduite urbaine de jour. Je peux refaire un examen? On peut pex l'examen et se faire masse XP! Oh, nice! Une erreur, merde. Attends, attendez, attendez! Je viens de découvrir un glitch! Un glitch! Ceinture, go! Non mais je fais ça comme ça, après on peut tester les camions. D'accord? Trop bien, un glitch! Tory Black vient de s'abonner à Zerator Télévision. Salut à toi et bienvenue. Alors par contre, si ça m'annule mon examen et que ça me dit que je l'ai déjà fait à la fin et que ça me donne zéro d'expérience, je peux vous garantir que je coupe le live. et je le ferai. Oh oui. Oh oui. Zombie à droite. Oh oui. Bienvenue à toi, Tory Black. Nouvelle abonnée sur les Zerator Télévision. Oh, ça m'a pas fait d'erreur. Ça m'a pas fait d'erreur. J'ai franchi la ligne. Continue. Et ça ne m'a pas fait d'erreur. Je suis très content. On continue. Le permis. Le permis. Na 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 na. Ça passe. Ça passe trois fois. Allez. Osef. Donc il y a passage piéton et il y a erreur plus grave, assassiner un piéton. Là par contre c'est éliminatoire apparemment. Donc voilà. C'est pas grave. Allez, on y va. Première erreur donc du permis, évidemment, de mon examen. Catastrophe. On tourne ici. Utilisation du clignotant. Bon, je suis très content. Oh c'est vert, c'est encore vert. Non, c'est plus vert. C'est plus vert. Zerator a remarqué, mais c'est pas un gamin, ça lui passe au-dessus comme à beaucoup d'entre nous, j'imagine. Hein, de quoi? Une erreur avec un S super. Mais c'est pas. Non, mais c'est bien parce que. Non, mais je sais pas si vous parlez de ça, j'ai aucune idée. Mais quelqu'un a dit une erreur avec un S super, c'est vrai. Mais, mesdames et messieurs, il faut savoir que, évidemment, nous avons, eh bien, un jeu traduit en français.
Ici, il y avait écrit une erreur, mais il faut savoir que tout à l'heure, il y avait écrit zéro mistakes. Il y a un mec qui a mis Zerator, le jeu est nul, ouvre tes yeux. Mais enfin, pourquoi es-tu sur ce live? Va-t'en. Nous, on s'amuse comme des fous. On est en train de passer le permis, on est en train d'essayer... On est en train d'essayer de... Je vais trop vite. Pourquoi j'ai pas été pénalisé? On est en train d'essayer de trouver des glitches pour évidemment farmer l'XP du jeu. Car évidemment, ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est l'optimisation et le speedrunning. Donc là, j'essaie de débloquer le permis bus. Cerveau. J'essaie de débloquer le permis bus, évidemment, en, eh bien, pexant. Alors que vous êtes 4000 spectateurs à regarder un homme essayer de passer son permis sur un jeu fictif nul, pas réaliste. Bienvenue à vous. Je ris, ce jeu est tellement horrible, merci Zerator. Mais putain, gros débile, arrête d'avancer! Ça ne fait qu'avancer. Go! Oh, tu veux faire la course, toi? Tu veux faire la course? Oh, alors là... On aide! Voilà. J'allume les phares. Les grands phares. Oh, les grands phares! C'est un fameux grand phare beau comme un noix. Limite de vitesse. Zoïseo, Santiago. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de... J'ai failli faire trois erreurs. Je pars pour de longs mois en laissant Margot Iseo. Oh putain, Santiago. Je stresse à mort de refaire une erreur. Bla bla bli bla 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 quoi? What? 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 J'ai pas appuyé sur tourner. J'ai pas appuyé sur tourner, le jeu a tourné. Merde. Il s'est passé quoi? J'ai pas appuyé sur tourner, le jeu a tourné. Merde. Oh, ça me gonfle. Oh, ça me gonfle. Vas-y. Mais ça, vous savez, ça n'arrive pas que dans Driving School Simulator. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres jeux que d'un coup le clavier se bloque dans une direction, tu sais pas pourquoi. Je n'ai pas appuyé sur tourner, ça a fait on est à droite. C'est genre d'un coup, c'est pas pourquoi. Mon clavier est possédé par le démon. Ouais. Non mais putain. La limite de vitesse. Franchissement de ligne continue. Vous êtes moche. Trois erreurs. Voilà. Trois erreurs, dommage. Cerveau. Ah mais de l'autre côté pour vous, je devrais faire ça. Cerveau. Oui. Je pars pour de longs mois, trop tout droit dans le mur. Non mais arrêtez, ça n'a rien à voir. Oh putain, oh putain, oh putain. Non mais là c'est encore 70 jusque là-bas. Jusqu'au panneau, jusqu'au panal. Bienvenue dans la ville, agglomération. Nouvelle ville, vous pouvez maintenant. Cette ville a l'air plus cool que la précédente déjà. Là ça a l'air plus sympa. Petite escalier de sécurité bien sympa. Voilà, on dézoome. Il y a un putain de piéton. Ça va me faire passage piéton, c'est ça? C'est bon, ça me l'a pas fait. Oh putain c'est vert. Oh putain c'est vert, oh putain c'est vert. Allez c'est vert. Rage pas. Le son s'éloigne quand on s'éloigne. Karma, le glitch. Karma le glitch. Que dalle. Et là c'est rouge, putain. Celui-là on l'aura jamais rouge. Faut se dépêcher putain. Faut se dépêcher. Tu rends les jeux plus beaux qu'ils ne le sont. N'importe quoi. Merci à toi monsieur Spooks 59. Je sais pas pourquoi ton nom a été censuré. On sait tous que les claviers filaires ont du décalage, Zerator, on t'excuse. Allez. Insupportable. Insupportable. Oh putain. Limite de vitesse. Oh putain, merde. Excusez-moi, je suis très vulgaire. Je sais pas pourquoi je dis oh putain, merde et tout. Je suis vraiment désolé. Sachez que mon langage doit être châtié. Et voilà. Donc je serai puni. J'irai me faire fouetter tout à l'heure. Enfin, j'irai m'auto-fouetter, en fait, vous savez, avec... Petit martinet. Bref. Non, mais sinon, sinon ça va, c'est bien. On s'amuse vraiment bien, en tout cas. On est content.
Je roule au milieu, hein. Ouais, je me prends plus la tête. Donc là, il y avait un feu. Oh, c'est rouge. Oh là là, ma vie sans dépit, vraiment. On y va. Freinage. J'ai pilé devant le feu. Énorme, c'est génial. Maintenant. Maintenant. Non. Ah. Il y avait un indice avec la voiture qui s'était arrêtée de l'autre côté, vous avez vu ? C'était incroyable, je suis en excès de vitesse. On se calme avec l'excès de vitesse. Attention. L'habitude de Trackmania est obligée de faire des wall-it. Ouais, alors. Une ville extrêmement vivante, une ville extrêmement superbe. Et là, ce côté de la ville est dégueulasse. Hein. On rappelle que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dire « Eh oui, très bon jeu, la plus belle pub pour l'Allemagne qu'il soit, qui existe dans le monde. » Et donc en fait, il suffit de farmer les permis afin de pouvoir aller débloquer les bus. J'ai vraiment hâte de débloquer le bus le plus cher à 300 000 d'XP. Vraiment, ce sera un bonheur total quand je l'aurai obtenu. Évidemment, ceci n'arrivera jamais puisque je ne jouerai jamais autant à ce jeu tellement il pue la merde. Ah ! Oh, tu me casses les noix. Et là, je fais 3 erreurs. Et là, il y a le passage piéton. Il m'a foncé dessus et ça me fait une erreur. Ça me casse les noix. J'arriverai jamais à refaire le permis, en fait. C'est ça, le glitch. C'est qu'en fait, tu ne peux pas. Les voitures te foncent dessus et tu ne peux pas. C'est ça. Voyez. Attends, je suis en train de passer ma conduite accompagnée. Quand je vois les incohérences de ce jeu, cela me stresse. Doublement par la droite. Plein phare en ville autorisée. Grillage de stop. Rouler au milieu. Jeu nul. Legit in Germany. J'ai envie de te répondre. Seems legit in Germany. Germany. Freinage. Clignotant. Je crois qu'on est bientôt arrivé. Dernier virage. PNC aux portes. Armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Pas du tout. Ce n'était pas du tout le dernier virage. Je suis déjà avec cette vitesse. Non, c'est bon. Pile. Tic tac, tic tac, tic tac. Je sens que je vais me faire foncer dessus par la rouge. Vous la voyez la rouge en face là-bas là ? Je vais me faire foncer dessus par la rouge. 100%. Oh non. Oh, il a freiné. Il a freiné. C'est un miracle. C'est un miracle. Diablo lui-même ne pourra pas. Non. C'est un miracle. Tout simplement un miracle. Passage piéton, il vient traverser. Mais putain, t'as pas autre chose à foutre que de traverser. On pile, on redémarre. Non, pas tout de suite, on redémarre. Ah, c'est cool, c'est vert. Attention, pas d'excès de vitesse. Le moindre écart me coûtera l'examen. Putain, c'est fini. Tout à l'heure, j'ai eu accident. Non. Oh oui, j'ai failli pas mettre le clignot. C'est le script, je les ai vus, son père à UNT. Ah, calme-toi, Hero of Gaming. Prends tes médicaments. Oh putain. 10 000 d'XP peut-être. Ou alors, jeu nul. Oui, plus 10 000. C'est exceptionnel. Ah mais c'est l'heure, dommage. Bonne nuit. Non, je plaisante. Carrière, alors. Permis bus débloqué. J'ai vraiment hâte de débloquer 200 000 pour le... Pas du tout, c'est no one ever. Débloquer le permis bus. Alors, conduite urbaine de nuit en bus. C'est parti, level 1. On est content, c'est parti. Ceinture de sécurité. Faut faire quoi d'autre? Les phares. Les pleins phares comme un gros bolos. Oh putain, là, l'usine qui clignote. Là, il y a un putain de piéton. Non, c'est bon. Clignotant à droite. Je sens que ça va être funky. Y'a rien à faire, ce que tu fais est complètement topissime. On se souvient de vieille époque. Oh, salut Banana! Lately Banana! Salut à toi, Lately Banana! Et merci pour la petite donation, ça fait plaisir. Quoi? Quoi, bip? Oh putain, c'est parce que je recule! Oh le bruit infâme! Alors là, si quelqu'un veut passer, désolé, mais c'est mort.
Je dois aller à droite, c'est ça? Ça va être cool. Ça va pas du tout être... Ça va être cool. Il n'y a pas la vue FPS. Et non, il n'y a pas de vue FPS. Je suis désolé vraiment pour ça. Je ferai un mail au développeur, je ferai un tweet. Non mais là, on peut pas ne pas faire d'accident. Il y a un putain de poteau, un putain de... Freine ! J'étais héroïque. Je suis un ouf. Il y avait un extincteur à droite, une voiture à gauche, un piéton devant, et tout ça sans faire aucune faute en mettant les clignotants. Ah ! Je suis trop fort. Je suis une sorte de dieu vivant en fait. Alors c'est évidemment la même map que de jour. Avec les mêmes voitures aux mêmes endroits, je pourrais parier. C'est limité à 30. De toute façon, avec un bus, je comptais pas aller plus. Hein, beaucoup plus rapidement. Alors là, on doit aller à droite. C'est vert, c'est rouge, on comprend pas. Personne comprend le feu là. C'est vert. Hiiip ! Allez, courage. Feu vert de passage. Alors, à savoir que ce n'est pas un permis. On peut faire des erreurs. On peut se permettre des erreurs. Attention, on continue. C'est quoi là ? Café. Café en croûte ? Putain, mais qu'est-ce qu'il y a écrit ? Je comprends pas. Personne ne comprend. Mais oui, les Allemands. Alors là, il faut mettre clignot à gauche. Parce que tout à l'heure... Oh putain, il y a eu accident là-bas, vous avez vu ? Il y a eu accident de port. Pas du tout. Hop, et là, à droite, on sort. Oh là là, j'ai fait masse points, masse XP. Le bus, une valeur sûre pour faire de l'XP. Mais en fait, vous pouvez tout recommencer pour faire de l'XP. Tu es en 5ème vitesse à 21 km/h, seems legit. Ah ouais. Ah ouais, il faudrait qu'en plus on ait les vitesses à passer en manual. Ah, en manual. Oh putain, 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 putain. Non, 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 non. Oh, c'est bugué, je vais perdre toute mon XP. Oh non, c'était bugué là. C'est bugué. On recommence. Oh, vas-y. Putain, quel jeu de merde. What? Oh, j'ai touché. J'ai pas touché, j'ai pas touché. J'ai rien fait, j'ai pas touché. Par contre, c'est par où là? C'est tout droit. Rouge traversée lumière. Ça veut dire quoi, rouge traversée lumière? Parle français! Rouge traversée lumière. Personne ne comprend ce que tu dis. Rouge traversée lumière. Rouge traversée lumière. T'imagines le gouvernement? À cause de votre rouge traversée lumière, vous avez perdu 3 points sur votre permis de conduire. Ah, personne ne comprend! Oh, les feux sont trop hauts. Et là, t'as un accident parce que les feux sont trop bas, tu sais, genre. C'est bon, c'est bon. 28 km/h. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Je crois que cet individu s'apprête à tourner. Il s'apprêtait à tourner. Bonsoir, Loulou. Ce jeu est aussi nul que Rocco et Bon Oli. Pas de problème. Il n'y a aucun souci. Hein. Et merci à toi pour la donation. Évidemment. Hein, on y pense. Km/h. 41 km/h. Clignotant à gauche. Maintenant. Oh mon dieu. Ça se passe super bien. Super bien, pardon, pas super bien. Toujours avec ses poubelles. Exactement. C'est un camion poubelle nouvelle génération. C'est un ébusseur. Un ébussoueur. Il a failli me foncer dessus, le mec derrière, vous avez vu ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu là? C'est un complot en fait. C'est pour que tu ne réussisses pas de toute façon. Ah oui, mais les bus passent souvent dans ce genre de rue, c'est normal. Oh non! Oh mon dieu, on a failli ne pas épargner sa vie! Attention, attention! Oh putain, attention! Oh, il a failli me foncer dessus. Et en fait, s'il me fonce dessus, c'est moi qui ai l'accident. C'est ça? Hein? C'est ça? Il a combien de vitesse ce bus? C'est de la science-fiction. Alors je sais pas, là on est en 6ème vitesse. Là on est en 7ème vitesse. 8! 8ème vitesse! Oh! En fait, ça fait une incrémentation de N plus 1 chaque fois que vous avancez un petit peu. Du coup, on peut peut-être aller à vitesse infinie. Si on ne décélère jamais. Vous voyez ce que je veux dire? 1 milliard de vitesse. Oh, ça y est, c'est la fin! C'est la fin, mesdames et messieurs, de la conduite de bus. Oui! Formidable, on a gagné! On est très content. Bon, on va faire un petit peu de conduite libre vite fait pour voir si on peut griller des trucs, qu'est-ce que ça fait. Et ensuite, ben, on se quittera. Map numéro 1, map 4. Je préfère la map 4. C'est ma map. Faut savoir que c'est ma main map, la map 4.
Et voilà. Donc une map normalement qui devrait être de jour. Voilà, exactement. C'est quoi ce bruit? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, là, on fait ce qu'on veut. Ah, voilà. Mais ça n'a absolument aucun intérêt, du coup. On est d'accord. Oh là là, vous avez vu ce réalisme? Oh, cette sensation de vitesse. On est sur du 1000 FPS, là, environ. Waouh. Alors, voyons voir. Testons la collision. Oh putain, oh putain, oh là là. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est un scandale. Ce jeu est un scandale. C'est un scandale. Qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Ça n'existe pas, ce n'est pas la vraie vie du tout. Les voitures... Les voitures ne sont pas des jukebox. Non, pas du tout, mais juste les voitures ne font pas ça. Faut se calmer, je sais pas quel est le moteur physique, mais là, faut demander un remboursement du moteur physique par les développeurs. Les phares. Alors, voyons voir. Allez, raté ou net. Je prends un peu de vitesse, je prends un peu de vitesse. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh mais c'est une voiture de bébé. Bon attendez, je rate, il faut absolument pas que je prenne autant de vitesse, je n'arrive pas à la gérer et à la contrôler. C'est un 4x4 normal 0. Ouais t'inquiète. Je sais pas si on peut faire des sauts. Alors voyons voir la collision. Waouh. Je sais pas ce qui m'impressionne le plus. La physique, la gestion des dégâts, le réalisme du choc. Honnêtement je sais pas ce qui m'impressionne le plus. Alors testons d'aller au bout de la carte. C'est de l'eau. Ah non, c'est pas de l'eau. C'est, vous savez, c'est le lac enchanté. Et comme ils se sont pas dit que peut-être on pourrait tomber, ils se sont pas dit non plus qu'à un moment fallait refaire revenir le joueur si jamais il tombait comme ça. Il s'est dit non, t'inquiète, il fera échappe, recommencer. Du coup. J'aimerais être un oiseau. Faire cuit. Je suis à 800 km/h. Être libre comme le vent. Bon. Eh ben écoutez, c'est donc tout pour Driving Simulator. Si vous avez apprécié ce jeu, n'hésitez pas à soutenir les développeurs en l'achetant sur Steam. Driving School Simulator, il coûte seulement 15€. À ce prix-là, pourquoi se priver honnêtement? Je vous le demande encore, alors que nous allons atteindre eh bien, les 900 km/h bientôt, à moins qu'on atteigne eh bien, le point de non-retour d'un point de vue vitesse. Première vitesse, 900 km/h, n'hésitez pas. En tout cas, eh bien, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce début d'émission avec vous, ce Zerator Simulator. J'espère que vous appréciez le concept. Si vous avez des jeux de simulation qui existent sur Steam, on va rester sur Steam pour l'instant, qui vous ont choqué ou qui vous ont marqué, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet. Pas un mail, peut-être pas, parce que ça floue de la boîte mail, ça sert à rien. Mais un petit tweet ou un petit commentaire sur Facebook, sur les lives ou quoi. Et voilà, moi je regarderai. Je vous promets pas de jouer au jeu que vous me demandez, etc. Ou sur le commentaire de la vidéo YouTube, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. On va repartir sur la scène, évidemment, faite par Antonin, League of Legends Championship Series Manager 2017. Ça, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux. On le testera peut-être plus tard. C'est de la Fantasy League, hein, tout simplement. Mais en 2017, la date de la sortie de Top Gun 3, d'ailleurs, 2017. Et voilà. Merci à toutes et à tous. Passez une très bonne nuit. Nous, on se retrouve dimanche, évidemment, à 18h pour le stream libre. Et ensuite, à 20h pour l'Independence Day. J'espère que vous serez nombreux. Il y aura Putaclic. Il y aura deux vidéos de présentation de jeu. Il y aura trois jeux indépendants et ça va être thématisé cette Independence Day puisqu'il va s'agir d'un développeur particulier, enfin d'un studio de développement particulier, et c'est des jeux que je pense que vous allez apprécier, c'est des jeux assez blockbuster, et d'ailleurs c'est pas des jeux très récents mais ils sont plutôt cool, donc j'espère que vous serez là. Salut à tous, à dimanche, passez un bon week-end, ciao, bye bye, je vous aime, et peut-être à samedi pour le KTS, je sais pas encore si je le fais, je vous tiendrai au courant par tweet ou par la programmation. Ciao, bye bye, à plus, passez une bonne nuit et merci d'avoir été si nombreux.